Salut à tous, c'est Benjamin. On se retrouve pour un petit live commentary sur Ubi 2004. On ne peut pas faire de carrière sur des mots, mais en démo, je peux vous montrer, c'est pas mal. Ubi 2004, hein, un jeu assez ancien que je vais vous revisiter juste aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Donc, on va regarder les points qui sont bien et les points qui sont mal sur ce jeu qui, niveau graphique, est très bas. Je suis un peu déçu. Donc, voilà. L'introduction avec Expo System Game. HB Studio, donc je zappe parce que voilà. Là, on a les 6 équipes les plus puissantes. Là, Jack, on a le choix entre l'Angleterre et l'Australie. Je prends l'Angleterre. Parce que j'aime bien l'Angleterre. Je trouve qu'ils sont plus puissants sur les mêlées. Parce que leur pot de pack est 888 kilos. Et celui des comment ça s'appelle? Nos amis les Australiens et de Ludovic 162. Enfin, voilà, il y a un petit peu de différence. Je les prends aussi. Parce que je suis plus à l'aise avec eux. J'ai fait des matchs, hein, j'ai gagné des matchs. Donc après, comme c'est un commentary, c'est très difficile de se concentrer à parler et de se concentrer à jouer. Je vais plutôt essayer de faire un bon match. Sachant que les Anglais sont tellement forts. Donc oui, niveau physique du jeu, enfin les physiques des joueurs, pas très réel, on verra sur un essai ou autre chose, on verra à gueule les joueurs, et je vous dis c'est vraiment pas top. Alors l'arbitre c'est encore pire que tout, on voit il a une gueule de pigeon. Donc, voilà, c'est un truc assez raté je trouve physique, vous voyez on voit un peu les têtes des joueurs, tout ça, on reconnaît même pas Grand Road. Vous voyez que j'avais la balle avec Greenwood, on ne reconnaît pas. Voilà. Clairement une pénalité. On va se la jouer. Hein. En kick-at Google, c'est-à-dire une pénalité, en fait, c'est pour marquer 3 points. Pas mal. J'aime bien ça, c'est du nouveau, c'est pas mal. Et voilà, ça passe. 3-0 pour l'Angleterre. Et là, on récupérera la balle. Parce qu'on a eu l'engagement. On a récupéré la balle après l'engagement. C'est assez bien, je trouve. C'est assez bien fait. Surtout qu'après, niveau de la force, on choisit pas. C'est la puissance, c'est. Enfin, on peut choisir entre facile, dur, tout ça. Donc, je trouve ça, c'est un peu déçu. Je suis un peu déçu de ça. Parce que bon, on en a mieux. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est quand même un jeu de rugby assez bon. Sûr, c'est pas la taille d'un FIFA. Comme les jeux de foot. Mais bon, c'est pas mal. C'est un jeu correct, on va dire. C'est un jeu correct. Alors, au niveau de la facilité de jeu, quand on est habitué, ça va. Quand on est habitué à jouer, ça va. C'est les premiers modes généralement qu'on ne contrôle pas le match. Wilkinson, on ne reconnaît pas avec sa gueule. Il y a des grands joueurs en Angleterre, on ne les reconnaît pas là. Il a Dalaglide. On se souvient un jour, je crois, de l'Angleterre parce qu'il doit être à la retraite. Voilà, regardez. Ça aussi, là, il y a du shit. Là. Poum, essayons ma gueule. Là, c'est l'Arkham. On reconnaît pas. On va voir. On va voir sa tête. Voilà. Il est facilement reconnaissable. Burke. Si vous le reconnaissez, vous me le dites. Parce que là. Le temps, vous voyez, Burke. Et là,
Les autres blessés là, vous voyez, je ne reconnais pas. Et il y a aussi Finnegan de l'équipe d'Australie en 2004. Un grand joueur, hein, Finnegan, plus de 100 kilos, il faisait plus de 110 kilos. Voilà, vu comment il est représenté, ça ne peut pas être franchement très encourageant acheter. Ouais, c'est très très dommage, je trouve, parce que le jeu est bien. Le jeu est bien fait, on peut faire des belles actions. Alors là, j'ai pas de la balle. Je vais faire une chandelle. Alors là, ça c'est aussi quelque chose. C'est pas mal, c'est les meules. Ouais, c'est les meules comme ça. Après un plaquage. Voilà. Ça fait vachement réel, je trouve. C'est pas mal, c'est un aspect positif. Hein. On va pas trouver que du négatif dans le jeu. Ouh! Là, on a eu un gros bug. Je sais pas si vous avez vu. Je suis un peu déçu de ce bug parce que en fait, on plaque le ballon, le joueur a le ballon. En fait, on plaque dans le vide. On plaque dans le vide, on plaque pas dans le joueur. On plaque. En fait, on passe à travers le joueur et c'est très dommage, je trouve. Donc après, c'est un bug à corriger. Hein. Voilà, Scrum. Mais. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Moi, je trouve que c'est quand même un peu cheaté. Après, niveau mêlée, c'est pas mal. Il faut juste avoir le skin. Et je trouve que le skin est. Ouais, ouais. C'est quoi ça? Donc on va faire un petit match rapide. Je suis l'équipe Australie. Voilà, on va essayer de faire les deux rôles. Oh là, Finnegan, là c'est Finnegan. Il vient de traverser les deux jours. Voilà, il y a des pas traversés comme vous le voyez là. C'est pas mal, hein. Franchement, les actions au bout du sol sont bonnes. Mais c'est juste les graphiques qui sont franchement pourris. Il y a un problème, c'est les graphiques, enfin la opace, voilà. Les mains sont riches hein, aussi. Hein. Voilà, là j'ai fait une faute. Voilà, je vais le pousser avant que le joueur anglais me tape. C'est très dommage. C'est pas grave. Écoutez. Je dois. Voilà. Qui cherche la. La mi-temps, c'est pas tout de suite, hein. Il y a que 16 minutes de jeu déjà. Allez, hop. On n'a pas d'option dans le jeu, c'est ça qui est dommage. Donc, alors, pour les touches, je sais toujours pas comment on fait. Sur les touches, je donne ce que j'ai, j'en ai réussi deux. Et là, j'en ai réussi un. Là. Et voilà. C'est des touches, mais ça fait rien. On se demande, je me demande comment on les joue. Donc on continue à perforer les Anglais. Voilà, on a des belles occasions de faire, franchement. Je sais pas que c'est nul, mais c'est qu'il y a des jeux, voilà. Donc, ça fait pas réel. Voilà. Ça m'énerve. Ça fait pas réel, 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 réel. Mais c'est sûr que je vais passer le bout.
entendu dire, ça ne va pas être plus intéressant. La nuit, ils ont dit, ouais, on va nous battre. J'ai aimé. Parce que vu quand même, il a été attendu, je pense. En 2004. Donc voilà, je suis un peu déçu. Je suis même encore en 2013, 10 ans après sa sortie. C'est encore. Il joue encore. Donc voilà, c'est un peu. Dommage. Hein. Genre bâcler le jeu comme ça. De qui tu parles comme ça? Sur vidéo? Je sais pas comment il est. On a récupéré la voile. Oh non! Mais bon. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Collecting scrum related to Australia. Ah bah les anglais ont fait des bêtises. Oh non! On va souffrir une victoire sûre. Voilà, perforation des Australiens. On vous apprend à parcourir des fois aussi. Can you provide penalty to Australia? Bon, bien sûr. Mais on dirait que quand on a 7 mètres de vue, ça passe l'argent. Là, je vais tomber à 60 mètres. Ça va pas, vas-y. Il y a sur ce ballon. Paf! Mon ballon. Tiens. On profite. Je mets la bombe. Voilà. Tout de suite, on va contrôler. Voilà, je sens que mon ballon. Là, je me reste 2 minutes. Il y a 10 minutes pour 2 minutes. On va les faire jouer très sérieusement. Là, c'est apparemment. Voilà. Ah merde, on a le rôle de la vie. C'est pas grave. Voilà. 5 minutes. Dès que ça sort en touche, c'est fini. Touche, c'est fini. Vous descendez. Non, c'est pas mal. Mais il est méchant là, les anglais. Ils ont les. Ah, si tu vas voir la voiture de merde, tais-toi. J'en prie. Tu n'es pas habillé, toi encore. Tais-toi. Tu l'avances le but. Les anglais s'en foutent. Le piège. Et je suis fini. Je vais résister. T'as pas qu'il décède. C'est difficile.
On va faire tourner le monde. Qu'est-ce que tu veux? Je vais tourner les fêtes. Merci d'avoir regardé. Et on se dit à bientôt.